Signature d'une convention de partenariat ce matin entre le ministre d'État, ministre de la Santé, maître Denise Mukamneu, et un représentant d'un groupe espagnol pour la gestion hospitalière. La politique va démarrer par le centre hospitalier universitaire Fondation Jeanne Ebory, dont l'inauguration est prévue pour très bientôt. La signature s'est faite en présence du chef du gouvernement Emmanuel Issoze Ngonde, Cabrel Guinalemami, Thierry Mandaka. Les efforts consentis par les autorités du pays dans l'amélioration du système de santé sont perspectibles au regard de la construction des hôpitaux de référence, à l'exemple des centres hospitaliers universitaires de Libreville, d'Angoundé et d'Ovindo. La mise en place de ces établissements sanitaires modernes amène aujourd'hui le gouvernement à revoir le mode de gestion des hôpitaux du Gabon et la qualité des soins administrés aux patients. C'est le centre hospitalier universitaire de la mère et l'enfant, Jeanne Ebory, qui a été choisi pour expérimenter le nouveau système de gestion hospitalière, d'où la signature de cette convention entre le ministre d'État à la Santé et le représentant du groupe Sphera, laquelle convention met en exergue un système de management susceptible de pallier les insuffisances observées par les patients. Notre vision est le développement et établissement de HAP au centre d'excellence. Nous avons développé ce modèle. Par exemple, au Rwanda, comme hub pour l'Afrique de l'Est. Et notre objectif pour le Gabon est de devenir un hub. Nous sommes convaincus que le Gabon a toutes les conditions pour devenir un hub médical pour ces régions. Ce partenariat intervient après que les textes qui régissent l'existence des centres hospitaliers universitaires aient été adoptés en Conseil des ministres, de même que les textes qui réforment le système de santé en République gabonaise. Cet événement constitue la matérialisation d'une volonté forte, celle du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, de voir notre pays non seulement se doter d'infrastructures sanitaires de haut niveau, mais également de voir la prise en charge médicale des populations s'améliorer de manière substantielle. Cet événement traduit surtout la prise en compte effective des dysfonctionnements ayant affecté le rendement des trois premiers CHU en termes de qualité d'offre de soins aux populations, en dépit des moyens mis à leur disposition, comme le confirme le dernier rapport sur les comptes nationaux de santé. Le choix du partenaire espagnol pour la gestion de cet hôpital fait suite à l'appel d'offres émis par le gouvernement.